Rendez-vous de votre émission Équistique, Mesdames et Messieurs, Sali. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous réfléchissons autour de l'amélioration de tout ce que nous consommons parce qu'on sait bien que les statistiques continuent à se présenter par rapport à la pression démographique, que d'ici les années 2050, la population mondiale pourra atteindre environ 9 milliards de personnes, donc 9 milliards de personnes à nourrir. Mais les technologies naissent chaque jour pour chercher comment améliorer la qualité et la quantité des productions, surtout la production liée à l'agriculture. Et aujourd'hui, nous pensons à ce que nous apprenons chaque jour, la biotechnologie. Pour en parler, votre émission fait appel à Prince Kanyole, qui est biologiste. Avec lui, nous réfléchissons sur cette question. Il nous dira de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'on appelle biotechnologie et comment se pratique la technologie, que faut-il faire, les avantages, les désavantages. Tout ceci sont des éléments que nous abordons dans notre émission. Nous lui disons Sali et bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je suis très enchanté d'être là ce soir. Alors, il faut souligner que je suis de l'Université de Kinshasa, la faculté des sciences. Là où je fais la biologie moléculaire, pour ensuite m'orienter dans l'option de la biotechnologie végétale. Biotechnologie végétale, c'est ce qui nous a beaucoup plus intéressés. Okay. Qu'est-ce que vous faites dans ces domaines? Bon, déjà, il faudra d'abord souligner qu'en parlant de biotechnologie en général, il y en a plusieurs sortes. Voilà. Mais moi, je préférais m'adapter dans ces domaines de biotechnologie végétale. Parce que déjà, c'est déjà quelque chose que j'ai toujours préféré. Mais aussi, s'il faut tenir compte aussi de notre pays, où plus de 90% de la population, que ce soit dans le monde rural qu'ici, dans le centre-ville, vivent nécessairement de l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est la vie, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Donc la motivation est que la population congolaise, généralement, vit de l'agriculture, mais une agriculture qui est beaucoup plus traditionnelle. Oui, oui. Agriculture beaucoup plus traditionnelle, oui. Mais seulement, en parlant de biotechnologie végétale, nous visons beaucoup plus les productions durables, donc les productions à l'échelle industrielle. Pourquoi? Parce que c'est bien, tout le monde est libre de faire ce qu'il fait. Et j'encourage d'ailleurs ceux qui le font déjà, ceux qui ont leur petit champ à côté, derrière la maison, ceux qui ont des activités maraîchères par-ci par-là, c'est vraiment encourageux parce qu'ils nous aident beaucoup. Parce que sans eux, normalement, vu que chez nous, déjà, nous ne produisons presque pas. Alors ça serait... c'est vraiment un grand défi, en fait. Mais seulement par rapport à ce domaine qui est la biotechnologie végétale, moi, je me suis beaucoup plus, ou je cherche beaucoup plus à m'orienter dans ce qui est des améliorations de végétaux et de semences. Alors, au Congo, par rapport à un pays qui n'a pas encore atteint aussi un grand niveau en matière technologique, peut pratiquer la biotechnologie? Oui, oui, parce que les biotechnologies sont là. Les gens sont là, la matière, elle est là déjà. Moi, je pense que ce qui manque... et puis, il y a ceux qui font aussi la fierté de partout dans le monde. Parce que déjà, chez nous... Dans le monde, oui, parce que là où ils vont, ils trouvent des matériels et les conditions. Exactement. Mais ce qui est bien avec les biotechnologies, c'est que le matériel, c'est bon. Mais on a beaucoup plus besoin de connaissances avant de faire face au matériel. Très bien. Oui. Alors, comment ça se passe? Vous avez, je prends un exemple, vous avez votre champ de manioc. Vous voulez appliquer la biotechnologie. Comment ça va se passer? En fait, tout va dépendre d'abord du rendement qu'on veut viser. Est-ce qu'on veut juste seulement se limiter à produire des semences et donc de boutures? Ou alors carrément on veut... produire les semences. Parce donc vous pouvez utiliser la biotechnologie végétale uniquement pour la production des semences. Oui, oui, c'est faisable. Tout comme on peut aussi l'utiliser pour s'atteler beaucoup plus seulement sur la production de feuilles de manioc, c'est faisable. Ou pour augmenter juste le rendement au niveau des tubercules. Ah bon? Donc il y a donc avoir des manioc qui vont... Mais vous ne pouvez pas avoir des tubercules sans avoir des boutures aussi? Non, pas forcément. Avec, en fait, la biotechnologie, elle a permis à ce monde à offrir beaucoup plus de paramètres, en fait. Et tout est basé tout simplement par des manipulations in vitro, donc au niveau du laboratoire. Ouais. En tout cas, tout est permis. Tout est permis, mais... Alors, vous aurez des tubercules sans bouture? C'est faisable, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut. Mais comment ils vont se développer? Parce que déjà avec le plante quelconque, le plante en général, il y a des techniques biotechnologiques qui peuvent nous amener à avoir uniquement des racines, si on veut seulement avoir des racines. Je prends par exemple un exemple avec la phytothérapie. Voilà. Parce qu'avec la phytothérapie, pour ceux qui
s'il faut expliciter un peu. Ouais. Phytothérapie, donc, c'est ces recours-là, c'est ce traitement-là, à la base de plantes. Donc, c'est un peu comparable à ce que font nos amis les traditionnels. Les praticiens. Mais seulement, nous, nous le faisons de manière scientifique. Mais bien évidemment... Mais eux aussi, vous diront qu'ils le font de manière scientifique. Non, on les associe comment? Parce que pour arriver à cela, il y a d'abord il y a des étapes aussi. Donc la connaissance aussi. On peut d'abord passer par ce que nous appelons des enquêtes ethno-botaniques. Alors ces enquêtes ethno-botaniques, donc, c'est les savoirs du grand-père. Voilà. Le savoir du grand-père, on le trouve au niveau de ces traditions praticiens. Ce sont eux qui ont eu l'histoire de l'exploitation de toutes ces plantes. Même s'il y a une petite nuance, parce que avec eux, je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire face ou déjà vous avez déjà eu à voir. Le bon, je vois les ce qu'ils présentent. Hein. Oui, oui. Par exemple, lorsque ils nous présentent une bouteille de 1 litre. Alors, cette bouteille de 1 litre, oui, tu vas le prendre, tu vas guérir par rapport à ce que tu as comme mal. Mais malheureusement, est-ce que pour guérir, si c'est seulement pour guérir la fièvre ou le mal de tête ou la malaria, par exemple, est-ce qu'on a besoin de ces 1 litre-là? Je pense que le problème de dosage. C'est un problème de dosage. Alors, ce que nous faisons, alors s'il faut le ramener en comparaison avec la biotechnologie végétale, dans ce domaine-là déjà qui est médical, qui est qui est phytothérapeutique, il ne faut pas aussi oublier que la plupart des comprimés de médicaments qui sont médicaments et que nous prenons, c'est à la base de végétaux, en tout cas la plupart. Vous, au niveau du laboratoire, vous allez déterminer les dosages de ces produits à consommer. Oui, on prend les dosages. Parce que, en parlant des dosages, il faut parvenir à chercher à comprendre quelles seraient les molécules dans cette plante-là, ou dans cette partie de cette plante-là qu'on nous a administrée, qui arriverait à satisfaire ou à apaiser ce que nous avons comme différents maux. Par exemple, si ce sont les racines qu'on a broyées, si ce sont la poudre des racines qu'on demande de prendre, alors par des méthodes biotechnologiques, par l'utilisation des phytohormones et du vitro, donc sous des milliers de cultures, il y a moyen de mettre au point, à partir d'un explant, c'est-à-dire d'une petite portion de ce végétal-là X, ça peut être un mangué, de ce petit feuille-là de mangué, on peut y arriver à produire soit toute une plantule du mangué, ou alors carrément ce dont nous avons besoin. Et bien évidemment, si nous avons besoin des racines, il y a moyen de faire cette applicabilité-là par le dosage de phytohormones pour n'avoir que des racines uniquement. Ces racines-là qui seront ensuite maintenant broyées et puis séchées. Et puis on va Des racines sans plantes. Des racines sans plantes, ça existe. Ah bon? Oui, oui. Alors, quand vous prenez, nous étions autour des maniocs, parce que c'est la culture, parmi les cultures manioc, maïs, c'est beaucoup plus des cultures qu'on reconnaît, qui était beaucoup exploité. Oui. Vous avez les maïs, que faut-il faire? Ou soit vous voulez avoir les maïs. Vous savez que pour les maïs, là vous n'allez pas dire que vous aurez besoin des racines, vous aurez besoin des maïs. Oui, oui. Alors, que faut-il faire pour avoir une multiplication avec un rendement souhaité? Oui, donc déjà, monsieur le journaliste, par les méthodes de biotechnologie, elle est un peu plus simple lorsqu'on a compris les méthodes de base. Voilà. Alors, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous prenons le cas de maïs, par exemple. Nous prenons, pour le cas de maïs, une portion qu'on appelle l'explant. Ça peut être une explant. Portion de tige. Explant, oui. E-X-P-L-A-N-T. Une portion faite de cette plante-là, de maïs adulte. Vous allez prendre la plante, portion, pas la graine. Pas les graines. On peut aussi prendre les grains. Tout comme on peut aussi prendre... donc, en fait, l'objectif c'est d'avoir juste une portion. Ça peut être le grain, ça peut être une portion tirée de bourgeon, que ce soit terminal ou axial. Donc, terminal ça veut dire au niveau des racines, au point des racines là. Donc, on vise à prendre la partie la plus jeune en fait. Parce qu'on s'est dit que la partie jeune elle est encore en différenciation, donc elle est encore en train de se développer. Voilà. Et donc, elle est encore épargnée par rapport à des attaques. Que ce soit de bactérienne ou microbiologique en général. Voilà. Alors, ces petites portions-là, on le met sur un milieu de culture préalablement préparé. Ce milieu de culture-là est déjà bien déterminé. Et le dosage sera en fonction de ce qu'on recherche. Et retenons aussi que ce milieu de culture en question, il est programmé pour jouer le rôle de la terre. Alors, ce qui va se passer, c'est que ces portions-là de ces plantes de maïs,
bien que c'était déjà différencié, parce que ça doit être un organe quelconque, ça doit être soit une tige, ça doit être soit une portion des racines, ça doit être soit une portion de la feuille. Donc c'était déjà une feuille, et pour être une feuille, ça veut dire que c'est déjà un organe, et donc c'est déjà différencié, c'est déjà caractérisé, donc c'est déjà connu que c'est une feuille. Alors il faut les ramener au stade cellulaire, donc c'est comme si on les tuait. On On tue cet ramène organe, on les cet ramène au organe au niveau stade cellulaire. cellulaire, pour ensuite maintenant lui donner des injonctions en fonction des dosages des hormones qu'on aura fait. Et ces hormones-là, elles ne seront pas celles. Ces hormones seront accompagnées par d'autres substances organiques. Ces substances peuvent aussi être de l'eau de coco ou juste un autre apport, je sais pas, du jus de mangue naturel, bien sûr. Mais là, dans le cadre des maïs, c'est toujours la même chose que C'est vous. toujours la même chose, c'est toujours la même manipulation, mais Alors, assez différente. qu'est-ce qui arrivera? Les maïs vont se multiplier ou Les il y aura maïs une ne vont croissance pas se rapide? multiplier, mais par rapport aux techniques biotechnologiques, admettons cet explant-là sur le millier des cultures, on va entamer la première procédure qui est la procédure de la chalogénèse. Donc on va produire des cales qui ne sont rien d'autre que ces masses-là, ces cellules-là, nous différencier. Et puis après, on va passer maintenant à la deuxième étape, toujours par impulsion hormonale, par là maintenant qu'on va maintenant passer à l'organogénèse. Mais attention, en passant à l'organogénèse, comme je vous l'avais dit tantôt, on vise, ça dépend en fait de ce qu'on vise. On peut, par rapport à la production de maïs, on peut par exemple viser avoir des plantules de maïs ou soit des semences de maïs qui seront indemnes ou soit dispensées de contamination d'ordre microbiologique qui Donc, vous le seront faites pour oui, la résistance la contre les résistance, attaques donc qui externes. peuvent être des espèces résistantes exactement face à l'environnement externe, là où va se passer la culture. Voilà pourquoi, en faisant cette démarche-là, on doit d'abord avoir une connaissance au préalable de là où on va le faire, si on va utiliser la terre. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'actuellement, pour faire la production d'ordre industriel, on n'a pas forcément besoin de la terre. Pas forcément, ça veut dire qu'on paie ou ne pas se passer de là. On Parce que peut ou ne maintenant, pas utiliser la parce que terre. maintenant il y a des cultures hors sol. Il y a des cultures hors sol et les rendements sont positifs. Donc c'est faisable, quoi. C'est toujours par Oui. Alors, la nouvelle voilà technologie. exactement. Alors, ce que nous faisons, nous, biotechnologistes végétales, c'est que dans ce domaine-là de maïs, par exemple, nous allons contrôler beaucoup plus la production. Donc, on va miser sur cette production-là d'eau industrielle. Donc, ça sera aussi une façon pour nous de porter moins forte aux agronomes, parce que lui, il n'aura plus beaucoup de travail à faire. Déjà, lorsque ces plantules-là, donc ces pépinières-là, sont déjà mises au point, en tenant compte des différentes réalités, en tenant compte des demandes qu'on nous avait faites, Voilà. en tenant compte aussi du type de sol et de ses caprices qu'il peut y avoir. Ça peut aussi être un sol aride, un sol très sec. Alors il faut préparer déjà cette plante-là à affronter ce type de sol-là. Et c'est possible, et ça s'est fait chez nous ici aussi. Ah bon? Oui. Et ça réussit. Ça réussit, dès le début. Alors, on regarde la procédure déjà, on comprend que c'est beaucoup plus scientifique. Oui, C'est vraiment de la science qu'il faut appliquer. c'est scientifique et Et, expérimental. mais est-ce que toutes ces notions ici ne se limitent pas au niveau des universités, laboratoires, mais sur le terrain? Avez-vous des exemples concrets qui ont réussi et qui, aujourd'hui, les gens peuvent faire confiance ou peuvent trouver comme référence pour agir? Oui, chez nous déjà à l'université de Kinshasa, il y a plusieurs thèses, il y a plusieurs travaux. Oui, mais c'est comme ça que j'ai dit, Oui, ça traîne beaucoup plus il y a autour plusieurs. des universités. Hein. Mais vous savez très bien que le scientifique, il est là. Il met ses connaissances, il met sa tête au service de toute une nation. Parce que déjà, s'il faut, pour ceux qui ont parvenu à créer de nouvelles espèces, de nouvelles variétés, par exemple comme le cas des soja, c'est faisable. De nouvelles variétés de maïs, c'est faisable aussi. Les variétés de manioc aussi, c'est déjà fait. Au Oui, niveau de mais la l'université, c'est création de tout. toutes ces variétés, mais le problème, c'est lancer toute cette matière sur les marchés pour que ça donne un retour à la population congolaise. Et puis, Oui, normalement, c'est là. Moi, je pense que les responsabilités se verront alors partagées, en ce sens-là, pour ces cas précis. Pourquoi? Parce que lorsque le scientifique a déjà mis au point ces techniques-là, un scientifique, c'est un vendeur. C'est un vendeur. Parce que, une fois qu'il a déjà mis au point son œuvre d'esprit, son œuvre, il a déjà mis au point, et les tests sont déjà là, et les publications ont déjà été faites au niveau international.
Alors, il y a des gens qui viennent acheter. Qui viennent acheter. Et pourquoi pas? Pourquoi pas notre gouvernement ne veut pas aussi venir acheter? Mais le gouvernement, il faut présenter au gouvernement. Il ne suffit pas seulement de dire que c'est... Mais est-ce que vous voulez nous dire que le gouvernement n'est pas, ne sait pas que ces choses-là... Bon, ils nous diront qu'ils ne sont pas au courant de ce que... Non, mais aujourd'hui, ces recherches. Je ne sais pas si... Bon, permettez-moi de citer son nom. Madame Yanjo, Marie-Claire, avec son innovation qu'il est en train de faire actuellement, il nous a produit de la farine panifiable à partir de la farine de manioc. C'est un espoir. Et aujourd'hui, je salue le ministre des Industries parce que lui, il est en train de faire sa promotion aussi. Il s'est intéressé, il s'est approché d'elle aussi pour essayer un peu de profiter déjà dans ces temps de crise internationale. Étant donné que les imports sont de plus en plus difficiles du jour au jour. Alors, ça, c'est déjà quelque chose à louer. Et voilà, je remercie aussi le président du Sénat, Abbassou de Quebo, qui a maintenant, par sa loi... qu'il a proposé. Mais les lois ne manquent pas. Ça, c'est tout ce qu'on a. Des textes, il y en a, des propositions, des arrêtés, oui, tout ça. Le problème, c'est la pratique. Oui, parce que si l'émission équistique, c'est une émission vraiment à caractère pratique, c'est pas vraiment une émission qui passe par des analyses, mais montrer aux gens comment ils peuvent réussir à s'améliorer ou améliorer leur agriculture et puis faire des bons rendements. Parce que c'est ça la vision de l'émission. Parce que si nous pouvons prendre des pratiques existent, il y a tout un ministère qui s'occupe de l'agriculture. Exactement. Mais aujourd'hui, on ne sent pas les fruits sur le terrain. Alors nous voulons ici, au niveau de ces plateaux, présenter comment on peut utiliser la biotechnologie et puis résoudre les problèmes de la faim. Nous sommes cités parmi les pays où les gens souffrent de la malnutrition à côté des Yémen. C'est inconcevable. Oui, mais vous avez totalement raison. Mais pour parler de ces luttes là contre la faim, par exemple, là, vous entrez directement dans mon idée de la biotechnologie végétale. Parce que, étant donné que nous sommes dans la production durable, nous sommes dans les productions d'ordre industriel. Donc, il faut produire à la taille de l'industrie. À la taille de l'industrie. Or, pour produire cette taille, à la taille de cette industrie, pour le faire et donc produire à la taille de l'industrie, il faut des moyens. Il faut des moyens, parce que les techniques sont déjà là. Est-ce que vous pouvez avoir des estimations sur, si vous voulez exploiter un hectare, combien allez-vous dépenser pour en appliquant la biotechnologie? Rien qu'avec un hectare. Appliquant la biotechnologie, c'est-à-dire? Par exemple, pour la culture dont on parle, manioc, maïs. Un biotechnologiste, je ne suis pas uniquement au niveau de la production, donc pas seulement au niveau de l'expérimental. C'est vrai que les connaissances, ils sont là. Nous connaissons déjà ce qu'il faut faire. Nous avons aussi mis la main sur la pratique plusieurs fois, dans plusieurs domaines aussi. Mais un biotechnologiste peut aussi contrôler le rendement, peut aussi contrôler la production. Alors, si vous me demandez de prédire, ou soit de donner une estimation, là, ça serait un peu compliqué parce que déjà, il faudra déjà être spécifique par rapport au type de culture. Par rapport au type de culture. Bon, partons avec un exemple concret. Vous avez choisi les maïs. Oui, oui. On sait que les Congolais ce sont des grands consommateurs de maïs, diverses manières. Vous avez choisi les maïs que vous voulez produire en grande quantité. Oui. Alors, quelles sont les étapes que vous allez suivre pour produire les maïs par rapport à l'esprit de la biotechnologie? Premièrement, d'abord, il faut d'abord avoir un laboratoire. Tout part de là, en fait. Voilà. Tout part d'abord d'un laboratoire. Il faut avoir un laboratoire. Un laboratoire bien équipé. Ou être en contact avec un laboratoire. Ou être en contact avec un laboratoire. Voilà. Alors, celui qui veut produire, lui, il vient, il amène sa commande. C'est lui que non, moi j'ai besoin de... Parce que ça dépend aussi d'une personne à une autre. Il y a ceux qui viennent demander les semences. Il y a ceux qui vont venir vous demander ces semences-là améliorées. Bon, regardez. Il y a ceux qui vont vous demander... Oui, je vous complète alors. Je vous complète. Quelqu'un, celui qui veut faire l'exploitation... Par exemple, moi, je suis intéressé à toutes les explications sur la biotechnologie. Je viens pour exploiter, et je vais pour solliciter l'implication de la biotechnologie dans ma culture des maïs. Je vous pose mon problème. Alors, quelles sont les démarches que moi je dois effectuer et quelles sont les démarches que ces maïs doivent parcourir pour arriver au niveau des derniers produits afin de cultiver? Ah ok, je comprends. Alors, premièrement, le biotechnologiste, c'est lui qui va vous fournir les semences ou le plant de maïs à mettre en culture.
Il doit d'abord, premièrement, avoir des prérequis. Il doit d'abord savoir situer votre concession. Votre terrain, votre là où terrain, se trouve. Là où ça se trouve. Faire le type du sol. Ça, ce n'est pas le travail réservé aux agronomes? Pas uniquement. Pas uniquement. Les biotechnologistes aussi doivent faire son étude. Aussi le faire. Je peux aussi le faire. Alors, après cette étude-là, maintenant on va mettre au point le semence. Ou alors carrément, il y a des trucs qui peuvent venir déjà avec ces informations-là pour vous dire que non, moi j'ai besoin par exemple de 20 000, de 20 000 grains. Exemple, de 20 000 grains de maïs. Ou alors de 20 000 plants de maïs. De maïs par exemple amélioré ou de maïs résistant par exemple à la sécheresse. Là c'est la commande qui vient donner. Alors, la première étape qu'on va faire, c'est nous allons au laboratoire. Nous cherchons. Si le maïs ne sont pas encore prêts, si ces semences-là ne sont pas encore prêtes, nous commençons par la première étape, qui est après l'étape de la chalogénèse. Nous induisons la chalogénèse. Après, une fois la chalogénèse induite, nous passons à la deuxième étape, qui est l'étape de l'organogénèse. Là, maintenant, nous allons former les différents organes, cette plate. Mais c'est toujours sous des impulsions hormonales, parce que ce sont ces hormones-là qui vont maintenant être à mesure de lutter face à tel ou tel autre désagrément environnemental. Alors, c'est un peu ça. Alors, après ça, il y a maintenant la troisième étape. On va même multiplier ces semences-là. Parce qu'au final, c'est tellement que ce sont des travaux expérimentaux, il peut y avoir aussi des pertes qui peuvent être enregistrées. Multiplier la même semence au laboratoire. Au laboratoire. L'unique semence-là. La seule semence qu'on a prise doit être multipliée. On la multiplie au laboratoire. Et du coup, on sera en mesure de produire 50 000, 100 000. Selon la demande. Selon la demande, qui seront identiques et qui seront résistants face à telle ou telle autre astuce environnementale. Donc, il va répondre à un besoin tel qu'exprimé. Exactement. Alors, maintenant, sur le terrain, vous allez livrer les produits à un agronome qui va continuer. Un agronome qui va mettre sa sauteur. Et puis, il va commencer à suivre le suivi normal. Suivi normal, ça veut dire arroser, etc., sarcler, comme toujours. Parce que déjà, il y a plusieurs étapes. Avant de livrer ce plan-là, s'il faut parler de plan, avant de livrer ce plan-là au demandeur, après cette étape-là in vitro, donc cette étape-là au laboratoire, il y a maintenant une autre étape, une deuxième étape qui va suivre pour adapter maintenant ces plantules-là qui étaient encore au laboratoire, dans un milieu de culture, pour l'amener petit à petit à la nature. C'est ainsi qu'on va d'abord passer par la serre. On va faire la culture sous serre. Après, c'est la culture sous serre. C'est ainsi maintenant qu'on pourra maintenant aller à la culture sous terre. Donc, quand vous faites comme ça, il faut partir avec... Il faut partir par toutes ces étapes-là. Mais il y a des produits qu'on ne peut plus déplacer. Quand on a déjà semé, vous ne pouvez plus revenir pour les délocaliser. Vous allez mettre les serres d'un hectare, de 5 hectares, de 15 hectares? Bon, ça dépend. En fait, la plupart des temps, lorsqu'on passe même par le niveau des serres, c'est toujours dans l'expérimentation. Parce qu'avant de livrer ces semences-là, on doit être sûr que, de façon, on doit être sûr du comportement des études. Oui, mais là, ce sont des études. Maintenant, quand on arrive au niveau de la pratique, vous ne pouvez plus partir encore de l'expérimentation. On espère, on croit déjà que vous avez expérimenté. Il reste maintenant de livrer des produits pour que les gens produisent. Oui, oui. Mais lorsque nous avons déjà produit, lorsque nous avons déjà produit ces semences-là, lorsque nous avons déjà mis au point ce produit-là, ces produits, ils vont être mis au point, mais après une certaine expérimentation. Encore une expérimentation. Expérimentation, comment, dans quel sens? Il y a des étapes, non? C'est d'abord une plante qui est déjà une plante entière, qui revient au niveau cellulaire, qui entame une deuxième étape qui est l'organogénèse, toujours sous l'impulsion hormonale. Alors cette plante-là, ou ces grains-là, hein, avant qu'on aille les tester là, au niveau de terre, donc au dehors, on ne peut pas livrer ça comme ça. On doit d'abord faire des tests d'abord au niveau même de ce laboratoire-là. Il y a un endroit qui est... On ne va pas tout planter, on ne va pas planter les 1 hectare. Pas encore tous les décollages, encore tous ces plantules-là, en vue que ça pousse maintenant partir maintenant au champ ou au terrain. Non, non. Mais nous allons prendre, c'est le système d'échantillonnage. Nous allons prendre les échantillons. Nous savons que non, cette plante ici a été programmée, par exemple, pour résister contre l'aridité. Alors nous allons prendre une échantillon, par exemple, 20 grammes, 50 grammes. Ça dépendra maintenant de la taille des échantillons qu'on aura à faire. Alors, une fois cet échantillon-là prélevé,
nous allons maintenant mettre ça dans cette condition-là. Dans ces conditions-là, par exemple, la ride, par exemple, pour voir maintenant si réellement l'expérimentation va aboutir. Oui, oui. C'était si on sent que c'est OK, on livre maintenant les produits. Donc, il arrive aussi qu'au laboratoire que les produits sortent, comme les Quinois disent, sauter. Donc, ça saute, ça n'a pas... En fait, c'est l'expérimentation. En parlant de l'expérimentation, pardon, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire simplement que ce sont des produits. La théorie est là. Maintenant, il faut passer à l'expérimentation. Il faut passer à la pratique. Maintenant, en passant à la pratique, il y a aussi de manœuvres à prendre en compte. Il y a aussi des réalités sur le terrain, au niveau même de la pratique là-bas. Parce que déjà, les manipulations biotechnologiques, donc les manipulations des tissus végétaux, c'est déjà une manipulation qui demande une certaine asepsie. Donc, vous devez être sûr que dans le milieu là où vous travaillez, vous n'êtes pas en contact de l'air extérieur, vous n'êtes pas en contact d'une quelque contamination. C'est ainsi que ces manipulations se font sous une haute en flux laminaire. C'est pour lutter contre ces contaminations-là. Mais croyez-moi, dans l'expérimentation, il y a toujours des contaminations qui sont là. Voilà pourquoi, déjà dès le départ, la tête d'échantillon est très nécessaire. Si j'ai une commande pour alimenter un hectare, je dois en faire pour un hectare et demi. Parce que je me dis qu'il peut y avoir des pertes au niveau du laboratoire. Mais ces pertes-là ne peuvent plus être tolérées au niveau expérimental, donc au niveau sur le terrain. Je dois tout faire pour que... Que tout se limite au niveau du laboratoire. Alors, à quoi de la biotechnologie peut aider la RDC en matière agricole? Déjà, la biotechnologie peut aider la RDC en matière agricole en mettant au point des semences. Des semences de qualité, des semences améliorées, des semences indemnes de certains parasites. Et c'est déjà une bonne chose parce que dans la réalité de la culture, dans la réalité de l'agriculture sur le terrain, en fait, il y a beaucoup plus ces facteurs-là présomptifs et la réalité. Parce que déjà, lorsqu'on a 100 grains, en projet, on se dit que non, ouais, dans 6 mois, j'aurai des plantes d'une certaine taille, peut-être dans 8 mois ou dans 9 mois, selon telle ou telle autre culture, je pourrai avoir de fruits. Mais cela aussi peut aussi être empêché par les types de sols que vous utilisez. Il faut se tenir compte de ça. Cela aussi peut être empêché par le type de parasites qui peuvent venir attaquer vos cultures en sol ou soit pendant une certaine période. Alors, la biotechnologie végétale sera là maintenant pour créer de nouvelles variétés, des variétés résistantes face à telle ou telle autre tempérie, ou adaptable à tel ou tel autre type de sol. Tout comme aussi, on peut aussi aller très loin pour mettre au point une variété qui sera adaptable à tous les types de sols de la RDC. Donc, ça veut dire mettre en place une variable et une variété qui peut être adaptée à toutes sortes de sols de la RDC. Oui, oui, c'est faisable. Mais là, il faudra faire recours aux techniques de la génétique, donc à la transgénétique. Parce que là, il faudra maintenant manipuler même le génome, même donc l'ADN de cette plante-là, pour le rendre résistant. Quelle technique? L'ultra-génétique? La transgénétique. La transgénétique. Transgénétique. Qu'il faut appliquer. C'est l'une des méthodes de la génie génétique. Mais là, c'est pas... Est-ce que la biotechnologie fait appel à l'implication des produits chimiques? Parce que s'il faut parler de produits chimiques, donc ce n'est plus biotechnologie. Ah bon? Ce n'est plus biotechnologie. Donc dans la biotechnologie... Parce que déjà, parlant de produits chimiques, c'est plus bio, c'est plus biologique. La biotechnologie ne fait pas intervenir... Non. Nous, on fait des manipulations au niveau hormonal. Même pour la culture hors sol, c'est... Non. Mais la modification de ces hormones-là ne se fait pas avec des produits chimiques. Les hormones ne sont pas totalement chimiques. Ah bon? Ne sont pas totalement chimiques. Mais ces hormones peuvent aussi être biochimiques. Biochimiques. Donc, c'est un peu ça. Alors, la différence se situe à quel niveau? Entre l'implication ou l'application plutôt des engrais naturels et la biotechnologie. Parce que tout le monde parle aujourd'hui d'engrais naturels pour améliorer sa culture. Il faut appliquer les engrais naturels. Les engrais naturels, ça dépendra des... Moi, je ne pense pas qu'on peut comparer ça à la biotechnologie végétale. Pourquoi? Parce que
La biotechnologie végétale, dans le domaine de l'agriculture, elle va intervenir dans la conception même. Dans la conception des semences, dans la conception, donc dans la production même des cultures, là, avant même leur mise en culture. Alors que ces engrais biologiques-là viennent intervenir. Après. Donc ce sont des cultures qui étaient simples, mais après avoir remarqué que les cultures, ces cultures-là mises en culture, pardonnez-moi la tautologie, qu'il présentait par exemple une certaine malformation ou une certaine attaque parasitaire. Alors maintenant il faut accéder maintenant aux engrais ou alors pour en vue d'augmenter la production, soit ça peut être au niveau du volume de nos fruits ou alors même du nombre. Maintenant impliquer cette l'utilisation de ces engrais. Ces engrais chimiques. Ces engrais vont jouer à peu près, entre guillemets, la même rôle que joueraient les hormones. Mais seulement. Les engrais joueront le même rôle que jouent les hormones appliquées par la biotechnologie végétale. Même si ça ne sera pas forcément la même chose. Ça ne sera pas pour moi la même chose, mais dans le terme physiologique, dans le but physiologique, ils vont jouer à peu près le même type. Parce que vous vous rendez compte même que même ces engrais-là, il y en a des cellules qui sont constituées par les hormones. Est-ce que à partir de la biotechnologie, on peut avoir, par exemple, les arbres fruitiers ou les fruits à chaque période? Oui, c'est possible. Voilà pourquoi maintenant dans le domaine de la biotechnologie... C'est là notre réflexion. Voilà pourquoi dans le domaine de la biotechnologie, aujourd'hui, on ne parle plus de la culture tout court. On parle maintenant de la culture continue. La culture continue. De telle sorte que... On parle de la culture continue au lieu de la petite culture tout court. Parce que la culture tout court, elle est beaucoup plus comparable à la culture qui est beaucoup plus saisonnière, périodique. C'est-à-dire que non, c'est le mois d'avril, donc on peut faire telle culture. Comme c'est le mois d'août, on va faire telle culture. Alors que par la technique biotechnologique, il y a une façon de faire en sorte que le semence que nous avons puisse être bien entretenu par rapport à la période ou par rapport à affronter toutes les périodes possibles. C'est un peu ça. Les semences se préparent déjà au niveau du laboratoire. Donc pour que vous puissiez cultiver même par rapport aux contre-saisons. Oui. Et vous avez une culture qui vous donne la rentabilité. Oui, exactement. Alors, cette notion-là de culture continue, elle peut avoir deux volets. Elle peut s'appliquer dans ce sens-là. Tout comme elle peut s'appliquer dans un autre sens. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, chez nous, nous souffrons dans le monde rural. Voilà. Dans la plupart, nous souffrons d'un problème d'habitude culturelle. On s'est dit que non, chez nous, à l'est de la République, par exemple, on est habitué, lorsque maman va au champ, c'est seulement pour faire la culture de manioc. Voilà. Alors que ce sol-là est capable d'acquérir plusieurs autres types de manioc, tout autre type de culture plutôt. Alors, le fait qu'il n'y a pas cette continuité-là, c'est ça qui fait aussi en sorte que même dans le milieu rural, il n'y a pas vraiment beaucoup de développement, vu que la plupart des populations là-bas aussi vivent que de ça. Alors, c'est un rôle aussi pour les biotechnologistes de donner ces conseils-là, des cultures continues dans ce sens-là. Dans le sens de la variabilité des cultures. La variabilité des cultures. Alors, mais ça aussi, on comprend, c'est aussi une possibilité. Mais alors, ma question était surtout pour le fruit. Oui. Parce qu'au moins, on a besoin de manger des fruits en permanence. Oui. Que ce soit en ville ou dans les milieux ruraux. Oui. Maintenant, quand vous préparez des semences, par exemple pour les orangers, c'est pour la production de fruits. Alors, leur production seront comment? Chaque mois, c'est faisable. Chaque mois, vous avez des oranges. Nous avons des oranges, non? Les oranges qui nous viennent qu'on importe. On les importe. Aujourd'hui, passez dans les supermarchés. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà passé dans un supermarché et retrouvé à un certain moment qu'il n'y a plus des oranges? Vous pouvez les retrouver peut-être en faible quantité. Mais il y en a toujours. Il y en a toujours. Les ananas, on peut aussi avoir des ananas en permanence. Ils sont toujours là. Mais vous savez que, par exemple, quand vous cultivez les ananas, vous aurez un seul ananas dans ces régies qu'on a cultivé. Est-ce qu'on peut avoir, on enlève ça, l'autre s'est multiplié, on peut avoir, ça peut se faire aussi. C'est possible. Donc vous avez un champ d'ananas qui ne fait que produire des ananas. Des ananas. Par exemple, là, le facteur temps sera aussi très nécessaire. Ouais. Supposons que non, l'ananas peut par exemple produire, peut produire pendant pendant 3 mois. Pendant 3 mois.
on a des ananas, n'est-ce pas? On peut faire la récolte au troisième mois. Mais par deux méthodes, par des impulsions hormonales, on peut faire en sorte que, après, c'est déjà, il faudra d'abord réduire d'abord ces temps-là. De, au lieu de trois mois, de ça trois réduit mois, même ça à deux mois. Dans un mois. Donc, même à un mois. Même, à un mois. Que, même dans un mois. Ce qui veut dire que non, dans les trois mois, au lieu de faire, au lieu plutôt de faire une seule récolte, on est en mesure maintenant de faire deux ou trois récoltes dans trois mois. Au lieu d'une seule récolte. Alors, par des manipulations biotechnologiques, par des manipulations au niveau cellulaire, c'est possible. C'est possible de multiplier. Donc, quand vous réduisez les temps, ce temps que vous avez réduit va vous permettre à ce que jusqu'à la période prévue, que vous puissiez continuer à récolter. À récolter, oui. Donc, de même pour le safou, exactement. De même pour toute espèce. Oui. Mais pourquoi cette technologie est connue mais n'est pas appliquée? Cette technique, elle est connue, elle est aussi appliquée. Parce que c'est que si nous consommons cette biotechnologie-là, nous la consommons. Parce que déjà, nous sommes importateurs. Donc, si on comprend très bien, les produits agricoles que nous achetons, surtout les fruits que nous achetons dans des supermarchés, ce sont des produits qu'on a appliqués, des techniques ici que nous consommons, croyant que ça a été récolté de manière normale. En fait, appliquer ces techniques, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Parce que tout dépendra maintenant de comment est-ce qu'on a appliqué, de quel type de techniques on a utilisé. Parce que déjà, lorsque c'est produit localement, on a l'avantage de pouvoir faire le contrôle, de pouvoir avoir une œil sur ça. Mais lorsque ça vient de l'extérieur, pas l'utilisation des engrais. Ouais, lorsque ça vient de l'extérieur, sur l'étiquette, c'est facile d'étiqueter en disant que non, ces produits sont bio. Mais d'abord, est-ce que ce qu'on utilise avec de la biotechnologie, bon, bien qu'il y a l'expression biotechnologie, est-ce que réellement c'est bio? Oui, c'est bio. C'est bio. Ça n'a pas d'inconvénient sur la santé humaine de tout ce qu'ils vont consommer? Lorsque c'est biotechnologique, c'est bio. Ça n'a pas de problème? Ça n'a pas de problème. Ah bon? Ça n'a pas de problème. Donc aujourd'hui, je peux décider... Lorsque vous tombez sur un produit... et puis, sur les notices, vous arrivez à vous rendre compte que non, les transformations, ça peut être une boisson. Ouais. Ça peut être... la biotechnologie, ça s'applique aussi pour les boissons. Pour les boissons, oui. Pour la fabrication de vin, la vinification. Ouais. Pour la fabrication de champignons aussi, c'est faisable. Même pour la fabrication de champignons. Des champignons, oui. Le vin aussi des champignons parce qu'ils collaborent avec l'agriculture. Exactement. Aujourd'hui, vous avez... qu'est-ce que vous prenez pour les champignons? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, avec les champignons, et déjà, il faut souligner que le plus grand mycologue, s'il parle de l'Afrique centrale, s'il parle de la RDC, il est à l'université de Kinshasa. Il est là, c'est le professeur Dibaluka. Simon. Ah bon? Alors, lui, il produit. Il travaille sur la multiplication. Lui, c'est seulement les champignons. C'est un mycologue macroscopique. Ah bon? Parce qu'en parlant des champignons, il y a deux volets. Il y a ceux qui sont microscopiques, il y a ceux qui sont macroscopiques. Lui est microscopique. Oui, dans les macroscopiques, il y a ceux qui sont ceux qu'on peut manger. Et ceux qu'on ne peut pas manger. Il y a ceux qui sont toxiques et ceux qui ne sont pas toxiques. Le produit, c'est qui est comestible. Produit, les champignons comestibles plutôt. Alors, c'est parti. Il se parle des techniques bio aussi. Pourquoi? Parce que déjà, la technique que lui, il utilise, ça part de produits qui sont bio. En fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir ce qu'on appelle des semis. Vu que nous avons besoin de la terre ou du sol, le champignon, lui, c'est un être vivant, mais qui est parasite. Donc, pour se multiplier, il doit être accroché à... Donc, il doit être en symbiose avec une autre substance. La sorte de champignons, mais des chenilles. Les chenilles également, c'est la même chose. Je parlais des champignons. Ah, c'est des champignons. Très bien. Ouais. Alors, étant donné que ce sont des êtres parasites, alors ils doivent être en symbiose avec soit... un arbre mort. Qui est mort, ou alors préparé, ou alors pas préparé, mais mettre au point ce que j'avais appelé des semis en provenant d'une certaine de quelque chose de bio. Par exemple, c'est ainsi qu'on aura des semis faits à base de maïs, qu'on aura des semis faits à base de déchets de canne à sucre. Qu'on aura des semis faits à la base de différentes résidus, de différentes céréales aussi. Comme avec aussi le patate douce. Voilà. Le patate douce, maintenant, ça peut se faire, que ce soit avec les liquides là,
Donc après avoir bloui ce papier douce, ces liquides-là, ces résidus-là un peu collants qui restent, ça peut aussi aider à fabriquer un sémi. Tout comme on peut aussi utiliser... Après avoir bouilli. Lorsqu'on a bouilli, ce qui reste à l'intérieur, là, ça sert comme des pâtes, qu'on va mettre dans une certaine condition. Et la plupart, la multiplication ou la culture des champignons, ça se fait dans l'obscurité. Parce qu'il y a beaucoup plus de rendement en obscurité qu'à la lumière. Qu'avec la lumière. Alors, là, on avance vraiment à la fin. Parce qu'on sait que déjà, avec la biotechnologie, on s'assure qu'on peut avoir, si tout l'avantage, c'est que, comment ça s'appelle, avoir des produits de manière continue. Alors, mais ces produits de manière continue, c'est ce que souffre la RDC. Nous vivons qu'en période de saison. Même la tomate, on a des tomates difficiles. Donc, tout ce qu'on a, c'est saisonnier. Même pour manger le maïs, il faut attendre la période des maïs. Quand c'est passé, peut-être ceux qui quittent la petite saison, la saison B. Mais ailleurs, on a abrogé presque tous ces systèmes-là, saison A, saison B. Mais nous sommes restés toujours un peu traditionnels là. Alors, comment faire comprendre ça? Est-ce qu'on peut aussi appliquer la biotechnologie avec l'agriculture maraîchère? Oui, oui. Parce qu'avec l'agriculture maraîchère, la biotechnologie va maintenant s'appliquer au niveau de la production même de ces semences-là. Quel type de semences qu'ils vont utiliser? C'est à ce niveau-là qu'ils vont donc tout peut partir des semences qu'ils vont solliciter les techniques biotechnologiques. Parce que s'il faut parler aussi des cultures saisonnières, pendant que dans un coin on crie que les tomates sont chères, que les tomates ne sont pas visibles, que Bakongo n'arrive plus à fournir les tomates. Mais en même temps, les gens qui appliquent ça, comme par exemple au niveau de la ferme agroalimentaire, donc au niveau des Daipen, ils ont des tomates. Voilà, ils en ont en grande quantité, puis ils font la fin. Oui, c'est un peu ça. Presque nous sommes arrivés vraiment à la fin. Un dernier mot en 30 secondes. En tout cas, je suis très heureux de participer aujourd'hui à cette émission, de parler un peu de biotechnologie, parce que c'est un domaine qui n'est pas très très vulgarisé. Alors je pense que par cette émission et par votre émission, on arrivera à vulgariser ces domaines-là qui est encore jusque-là pas peu connu, si je peux le dire. Très bien. Vous avez compris que c'était l'analyse d'un biologiste qui s'est spécialisé dans la matière de biotechnologie végétale. Il s'appelle Prince Cagnolet, qui parlait pour le compte de l'émission Équistique. Je vous dis un grand merci à vous tous qui avez prêté votre attention. Les analyses continuent. Si vous êtes intéressé, le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez engager un débat, vous pouvez nous inviter, peut-être vous avez une expérimentation sur terrain. Nous viendrons pour faire la découverte et puis savoir ce que vous réalisez de manière plus pratique. Je dis un grand merci à Jo Bassaï et à Rodrigue Bunda qui vous a assuré le montage de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la télévision environnementale. Au revoir.